comment on peut bousculer euh, ce paysage politique, comment on peut tout simplement amener de nouvelles majorités euh, progressistes, soucieuses du partage des richesses, de la bifurcation écologique, au pouvoir pour ne pas simplement être en résistance, mais euh, arriver tout simplement à avoir des leviers. Si on ne fait pas cet effort d'aller chercher des partenaires, euh, d'aller fédérer dans le pays, alors nous risquons de passer à côté de notre possibilité de damer le pion euh, au pouvoir en place et d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir parce que c'est quand même ça qui se joue et si on est cohérent par rapport à ce qu'on veut faire c'est-à-dire améliorer la vie des gens qui sont aujourd'hui en immense souffrance euh, face aux crises diverses que nous traversons nous devons avoir ce sentiment d'urgence et cette responsabilité de tracer ce chemin et donc de tendre la main à toutes celles et ceux qui quelque part même s'ils n'ont pas toujours pensé comme ça ou euh, s'ils n'étaient pas euh, dans le cadre euh, politique précédemment ont envie aujourd'hui de fédérer euh, leurs forces et leurs énergies pour arriver à cet objectif. C'est avec les lunettes, c'est pas super pratique, mais je voudrais pas que ça ressemble à la pub orange après. À la fin du confinement, le marmiton est un peu. <laughs> a pris un petit coup. Parmi les, les premières joies euh, de cette sortie, pas totale, elle est partielle, mais euh, du confinement, euh, pour moi, ça a été de pouvoir euh, aller saluer euh, des personnes dans la circonscription que je représente à l'Assemblée. Donc, j'ai commencé par, euh, par Sevran et euh, j'irai là très vite euh, à Tremblay puis à Villepinte. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment euh, de voir l'énergie qui s'est déployée et qui continue de se déployer pour lutter contre la crise alimentaire, fabriquer des masques, venir en solidarité aux familles qui rencontrent le plus de difficultés. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc j'ai en tête aussi bien ce qui se fait à la, à la microfolie ou avec le partenariat des makers, comme on les appelle. Il y a des visières qui sont fabriquées en, à partir de, du système de 3D. Qui sont fabriqués pour non seulement pour voir les personnels hospitaliers, mais même au-delà maintenant d'arriver à, à contribuer à cet effort de production. Et au même endroit, on trouve des lots alimentaires, des paquets de lait, des, des pâtes, etc., pour essayer d'organiser la solidarité. Pareil, en centre-ville de Sevran, j'étais impressionnée par un groupe de femmes qui s'est organisé et qui, tous les après-midi, Fabrique, euh, bah fabrique des masques euh, c'est vraiment une, une industrie hein, parce que ce sont des centaines et des centaines chaque jour euh, qu'on retrouve aussi en fabrication à un autre endroit de, de, de Sevran, dans euh, euh, le centre michelet centre social michelet bref juste pour dire que euh, c'était un vrai bonheur de voir ces, ces acteurs bénévoles ou professionnels qui se mettent en mouvement et comme je n'arrête pas de le dire euh, ce que je trouve dans cette crise de très frappant c'est que le pouvoir fait défaut dans sa capacité d'anticipation et d'organisation de façon gravissime. En plus, il ment, ce qui n'arrange pas la situation. Et face à ça, ce qui nous a permis de tenir, de faire tenir l'économie de nos vies et de faire face à toute cette production de matériel nécessaire face au Covid-19, c'est tout simplement l'ingéniosité et la solidarité qui s'est déployée. Je pense qu'il peut en rester quelque chose euh, parce que euh, on ne sort pas indemne de semaines où on s'est euh, euh, cassé euh... En deux pour essayer de, de, de faire des choses. Je pense aux femmes de Rougemont Solidarité qui étaient, que j'ai vues aussi et qui étaient d'ailleurs un peu fatiguées parce que ça fait des mois maintenant qu'elles vont faire les courses, qu'elles amènent aux portes des paniers alimentaires pour, pour les familles. Donc c'est pas rien, mais il reste quelque chose, je pense, il restera quelque chose de, cette, de ce moment qui est un moment où on a essayé autre chose, réussi à joindre des forces pour euh, faire valoir la solidarité. Ce qui m'a frappé également, c'est l'ampleur de la dépression économique et de ses ravages dans ses conséquences, notamment pour les milieux euh, les plus populaires. Je pense que tout ça est devant nous et pas derrière nous, euh, parce qu'en chaîne, quand euh, bah, l'intérim est bloqué pendant un temps, quand... Euh, vous avez des étudiants qui ne peuvent pas faire de petits boulots, quand vous avez des familles qui cherchaient du travail et puis qui là, bah, euh, il voilà, n'y a, a, a plus rien, quand vous étiez dans une TPE ou une PME, ces petites et moyennes entreprises qui sont les, les, les plus touchés, évidemment, par la crise, avec des menaces de fermeture pour des restaurants, pour des petits commerces. C'est évident que le ravage que cela va produire d'un point de vue social et économique est tout à fait devant nous. Et sur un territoire comme celui que je représente de, de la Seine-Saint-Denis, c'est l'évidence même que la crise alimentaire risque de s'accroître et que la précarité peut être totalement décuplée. On anticipe l'idée qu'il pourrait y avoir à brève échéance entre... 1 et 2 millions de chômeurs en plus et c'est évident que si on redémarre sur les mêmes euh, mécanismes d'organisation sociale et économique qu'avant le risque c'est qu'on aille dans le mur. Je vois bien la pression, la pression qu'on qu a vu avec par exemple le rapport de l'Institut Montaigne hein, qui nous explique que euh, la clé ça va être euh, de faire travailler davantage les salariés de euh, casser un peu plus le code du travail, en gros d'avancer plus encore dans le productivisme et le néolibéralisme qui vont très très bien ensemble. Et je pense que si on prend ce chemin, au lieu de profiter de la crise pour ne pas redémarrer, mais essayer de changer fondamentalement, en sécurisant les parcours professionnels, en partageant le travail, en réfléchissant sur les industries qu'on veut voir grandir et celles qui doivent décélérer pour répondre aux besoins véritables que nous avons et non pas aux besoins superflus, ceux qui répondent aux besoins du capital. Si on arrive à faire tout ça, on peut évidemment éviter la grande récession économique qui est devant nous et euh, avancer vers une société qui soit... Meilleures, qui euh, permettent à toutes et tous de vivre dans la dignité et qui améliorent la qualité de vie et nous protègent, nous protègent face aux crises climatiques qui nous attendent, nous protègent face à tous les enjeux de santé publique euh, dont on voit bien que qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, parce qu'il euh, y a ce, ce libre échange international qui abaisse sans arrêt les normes de protection et tout ce qui relève. Euh, du principe de précaution si on arrive à bouger à bifurquer on peut aller vers du mieux mais pour l'instant comme euh, le gouvernement a l'air bien euh, de bien s'entêter il a l'air de bien s'entêter euh, parce que vous, vous n'avez sans doute pas le temps de les lire mais il y a une flopée d'ordonnances qui en ce moment sont en train euh, de s'appliquer euh, qui doivent d'ailleurs donner beaucoup, beaucoup de travail à tous ceux qui, qui, qui sont dans, dans les secteurs concernés, ou alors les avocats et tous les juristes, euh, parce qu'il faut, il faut suivre. Mais le, ce que j'en aperçois aujourd'hui, c'est qu'il y a bien un sens à ces ordonnances, et c'est quand même d'abaisser les règles, les normes de protection, euh, et de déréguler plus encore. C'est le fameux, j'en ai déjà parlé ici, mais c'est le fameux choc euh, potentiellement attendu dont parle Naomi Klein où on sait qu'en 2008, quand on a eu la crise des subprimes, eh bien, c'est allé plus avant dans la financiarisation de l'économie. Il ne faudrait pas que là, avec la crise du Covid, on aille plus avant dans la dérégulation généralisée. Même topo à l'échelle européenne, je vous en parlais dans le dernier Inspiré-Expiré, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, eu l'annonce du plan avec cette photo d'alliance retrouvée entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Euh, sauf qu'il faut regarder de près ce plan de l'Union européenne. Ça sonne bien 500 millions d'euros, sauf que le Parlement européen estimait que c'était euh, 2000 milliards qu'il fallait être capable de dégager. Surtout, il s'agit de prêts qui sont adossés à une orientation politique. Encore une fois, vous retrouvez que si un pays ne respecte pas les traités européens, et euh, les normes budgétaires telles qu'elles sont édictées avec la règle d'or, c'est-à-dire toujours cette obsession de la réduction de la dépense publique, eh bien, euh, ça ne rentre pas dans les clous euh, de ce plan euh, de soutien qui, donc, n'en est pas véritablement un. Il y a toujours le refus de l'annulation de, euh, des titres qui sont détenus par la Banque Centrale Européenne, alors même que euh, ce que nous demandons, et nous le demandons avec force depuis 2005, vous savez, cette, cette, cette bataille qu'on a menée pour le non au traité constitutionnel européen et dans lequel on n'arrêtait pas de dire l'indépendance de la Banque centrale européenne est une aberration. Pourquoi c'est une aberration Parce que la maîtrise démocratique, publique, politique n'est pas à l'œuvre. Or, dans un moment comme celui-là, on voit bien qu'on aurait besoin que la Banque centrale européenne prête directement aux États et sans contrepartie. Voilà. Et aujourd'hui, c'est elle qui décide en toute prétendue indépendance, euh, mais en réalité euh, dans un, un, cadre, euh, un cadre très contraint sur le plan idéologique et adossé aux intérêts du monde de la finance et non pas euh, du, des États euh, en question. Et puis par ailleurs, on attendait et on attend toujours, et j'ai peur qu'on attende encore un petit moment, euh, une taxe par exemple sociale et écologique, on peut l'attendre en, en France. Euh, et on peut l'attendre à l'échelle européenne, et elle ne vient pas pour tout simplement permettre de partager les richesses. Ça, c'est quand même euh, un, gros, un gros problème, et que euh, donc on n'a toujours pas mis le frein sur le libre-échange, sur l'austérité euh, budgétaire et sur la concurrence généralisée entre les peuples européens et à l'intérieur des États qui euh, contribuent en fait à faire vivre cette Europe telle qu'elle ne va pas, parce qu'ils le font aussi dans leur propre, dans leur propre pays. Forcément, face à cette situation euh, où on voit euh, à la fois le pouvoir en place euh, s'engluer, s'enfermer dans euh, des logiques euh, toujours similaires, voire aggravées, et que euh, le duel Macron-Le Pen pourrait euh, imprimer euh, l'espace politique, la question, elle se pose avec une grande acuité de savoir comment on peut bousculer euh, ce paysage politique, comment on peut tout simplement amener de nouvelles majorités. Progressiste, soucieuse du partage des richesses, de la bifurcation écologique, au pouvoir pour ne pas simplement être en résistance, mais euh, arriver tout simplement à avoir des leviers majeurs pour pouvoir transformer notre pays et, et le faire bifurquer sur une voie qui est une voie euh, euh, d'émancipation humaine. Et face à cela, je, je ressens une responsabilité particulière parce qu'il y a. Cette récession économique qui nous attend, parce que le moment de confinement nous a mis dans une situation fragile, en fait, plus fragile encore qu'avant, et qu'elle a sonné comme une répétition des crises climatiques qui sont devant nous. Donc là, j'ai l'impression que chacun est devant la gravité de la situation actuelle, mais aussi de ce qui pourrait nous arriver de tragique à l'avenir. Or, le chemin emprunté n'est pas une fatalité, et s'il n'est pas une fatalité, il faut donc qu'on discute de comment on peut fédérer dans le pays largement, de telle sorte qu'on arrive à promouvoir ces majorités véritables qui nous permettent non pas de refaire des vieux cartels euh, électoraux à l'ancienne avec euh, des politiques qui ressemblent à celles menées par la gauche je mets des guillemets c'est à dire ceux qui se sont revendiqués de gauche mais qui, notamment sous le quinquennat Hollande, se sont émancipés de ces valeurs et qui concrètement ont mené des politiques libérales sur le plan économique et, et parfois aussi euh, très fortes en contrôle social, c'est-à-dire en mise sous surveillance de nos libertés. Donc tout ça ne, ne convient pas et le saut qu'on a à faire est un saut euh, historique, je dirais. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de refondation pour précisément un projet et une force euh, pluraliste, mais une force cohérente. Qui nous permettent de tracer un chemin, un chemin capable de tenir tête au monde de la finance, capable de partager les richesses, capable de, de modifier notre industrie et de mettre à mal le consumérisme qui gangrène à la fois euh, nos désirs et bien sûr l'écosystème de façon extrêmement dangereuse. Donc tout ça, euh, tout ça qui suppose une nouvelle république qui suppose des avancées démocratiques majeures qui suppose aussi d'élever le socle de nos droits ça fait quand même ça dessine je trouve un idéal mais aussi un projet un sens une issue que nous devons, que nous devons construire alors. Pour l'instant, on en est beaucoup aux appels, alors les appels dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce que sachez qu'il y a beaucoup de coups de fil qui se passent aujourd'hui au sein de, des gauches et des écologistes, beaucoup, et beaucoup d'appels aussi qui sont écrits pour essayer d'avancer dans cette perspective politique. Euh, il y a euh, eu un appel qui a été particulièrement euh, discuté euh, récemment, qui est celui « Construisons l'avenir », impulsé euh, par Christian Paul, ancien député euh, socialiste, euh, frondeur, et Guillaume Duval, euh, d'Alternatives économiques, et euh, signé par des personnalités, beaucoup issues euh, du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, mais pas seulement, avec des intellectuels, des, des militants euh, associatifs. Or, cet appel, moi, j'ai choisi de ne pas le signer parce qu'il me semble que le centre de gravité de l'appel, c'est-à-dire euh, euh, l'équilibre euh, des personnalités qui euh, signent cet appel, ne correspond pas au spectre que nous devons euh, rassembler pour permettre une transformation véritable. Alors, ça se retrouve évidemment dans les mots du texte, qui sont pour moi parfois manquants, mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que si je ne l'ai pas signé, euh, se démarquer d'une certaine manière euh, d'un texte qui, par exemple, me dérange parce que euh, certains qui le signent ont signé, il y a quelques semaines, une tribune avec des ministres euh, et euh, avec des patrons du CAC 40. Je pense en particulier à Yannick Jadot, qui peut donc signer un texte euh, qui s'ancre à gauche, mais avant avoir signé avec des ministres du gouvernement et des patrons du CAC 40 pour expliquer qu'il fallait une relance verte, vous voyez bien que ce sont deux choses qui... Posent problème dans leur compatibilité, en tout cas de bon point de vue, ou alors que euh, des socialistes qui peuvent avoir signé ont dans le même temps euh, voté euh, le budget rectificatif dans lequel malheureusement on retrouve, parce que c'est une proposition du gouvernement, euh, une orientation qui euh, ne convient pas si on prend au sérieux la transformation profonde de la société dans un objectif social et écologique. Donc. Ça, c'est le, les raisons pour lesquelles je n'ai pas signé. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne nous fait pas une perspective. C'est-à-dire se démarquer euh, d'un appel parce qu'il ne convient pas, ne constitue pas en soi le chemin pour euh, y parvenir. Et ce que je veux dire avec force, c'est qu'il y a dans cet appel des éléments qui sont quand même intéressants parce que euh, les propositions, quand vous les sortez du texte et que vous les mettez bout à bout, on se rend compte que il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent aller aussi bien de la création d'un pôle public du médicament à la revalorisation euh, du RSA, qui peut aller aussi bien de la rénovation euh, thermique à la fin de la signature des traités de libre-échange, je donne quelques exemples, mais quand même, par trait, nous voyons que ce spectre politique avance euh, par rapport à ce qui a été fait. Euh, au gouvernement sous Hollande, ou par rapport même à des coordonnées politiques qu'on pouvait imaginer de ce côté-là, et eh bien moi je veux aussi être positive sur le fait qu'il y a des choses qui avancent avec, avec ce type d'appel, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Et j'ai aussi apprécié le travail qui est enclenché à partir de l'appel Plus jamais ça, qui a été impulsé par 18 ONG, des syndicats, des associations, et qui appellent les forces politiques des gauches et écologistes à euh, venir discuter pour prendre des initiatives dans la période. Et ça, ça me paraît extrêmement important, c'est un levier puissant. Vous le savez, je l'ai déjà dit, mais moi j'appelle à un rassemblement social et politique, c'est-à-dire que je ne crois décidément pas que l'heure est au simple accord entre des appareils politiques. Je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus fort et de ce point de vue, je me retrouve aussi dans la proposition que fait François Ruffin. Il l'a rappelé dans un long entretien à Libération, que je vous recommande, qui est aussi cette logique qu'on avait initiée avec le Big Bang dans la gauche sociale et écologiste il y a un an. D'ailleurs, François Ruffin, je crois deux mois après, parlait de Front populaire écologiste. Euh, ce qui recouvre, me semble-t-il, euh, un peu la même chose, c'est-à-dire euh, une alliance entre euh, des gauches et des écologistes, mais aussi euh, une façon d'articuler le mouvement social et l'espace politique plus institutionnel, et que c'est par cette dynamique que nous arrivions à mettre en mouvement le pays pour avancer vers ces majorités, euh, ces majorités euh, futures. Il est évident que dans euh, ce cadre politique que nous appelons euh, de nos voeux, et d'ailleurs euh, euh, je vous invite aussi à lire l'interview d'Elsa Faucillon dans Libération euh, la semaine dernière, qui euh, se projette aussi dans cette, euh, dans cette perspective. Eh bien, euh, la France insoumise a évidemment euh, tout son, toute sa place et tout son rôle à jouer. Assez déterminant parce que, de par euh, son histoire de création, elle est ancrée euh, sur le fond dans une critique à la fois du néolibéralisme et du productivisme. Et comme elle n'a pas été associée au bilan de la gauche au pouvoir, il me semble que ces forces, que nous, ces forces militantes et son projet L'avenir en commun participent de la définition de cette orientation nécessaire pour transformer la société. Et c'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment que les discussions de refondation se font sans la France insoumise. Alors, peut-être aussi que la France insoumise n'est pas aujourd'hui euh, très euh, motrice pour euh, travailler avec d'autres forces, et peut-être pense-t-elle qu'elle a les clés à elle seule. Mais moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans le champ politique tel qu'il est, on a besoin euh, d'abaisser des murs, de construire des passerelles et d'élargir pour que la candidature euh, en 2022, aussi bien pour la présidentielle que les candidatures pour les législatives, nous permette d'aboutir à un rassemblement suffisamment large dans la société et sur le plan politique, en ayant une cohérence assumée. Il ne s'agit pas de faire valoir l'unité pour l'unité et de se retrouver je ne sais pas où à la fin sur un projet qui ne nous permet pas de changer la vie. Donc c'est les deux qu'il faut tenir, mais si on ne fait pas cet effort d'aller chercher des partenaires, d'aller fédérer dans le pays, alors nous risquons de passer à côté de notre possibilité de damer le pion au pouvoir en place et d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir parce que c'est quand même ça qui se joue et si on est cohérent par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire améliorer la vie des gens qui sont aujourd'hui en immense souffrance face aux crises diverses que nous traversons, nous devons avoir ce sentiment d'urgence et cette responsabilité de tracer ce chemin et donc de tendre la main à toutes celles et ceux qui quelque part même s'ils n'ont pas toujours pensé comme ça, ou euh, s'ils n'étaient pas euh, dans le cadre euh, politique précédemment, ont envie aujourd'hui de fédérer euh, leurs forces et leurs énergies pour arriver à cet objectif. Et donc ça suppose une posture, à mon sens, aujourd'hui d'ouverture, parce que le champ politique n'est pas figé, le, le champ politique est en, en, en mouvement, c'est l'évidence même, et que la société aussi est percutée par tout ce temps de crise du coronavirus et euh, de confinement. Donc il y a... Beaucoup de, si j'ose dire, de jeux euh, d'une certaine manière, beaucoup de possibilités. Et euh, nous aurions tort de rester figés euh, et de penser qu'on a euh, d'ores et déjà seul la solution. Il faut au contraire euh, arriver à tendre la main et euh, à trouver les formes qui nous permettent d'unir toutes celles et ceux qui nous permettront de gagner demain.